am I? Ça fait à peu près 15 secondes. Je pense que le temps est donné. It appears as though the Prince of Slumber will be granting us an audience. How are you feeling, Your Highness? My head. I had a dream. I'm okay. Thanks for coming, Lydia. Mr. Neuer, my name is Alina, and I found you inside the Hatcher's house. I'm glad to see you better. Yes. I think I remember you. Thank you so much, Alina. I owe you my life. Don't mention it. Listen, Mr. Neuer, I found some notes and recordings from the Hatcher family. If you're looking for the Hatchers, you might need them. Oh. Thank you once again. I'm sure they'll be helpful. The truth is, I was thinking of leaving as soon as possible to... Daniel, the doctor said you need complete rest. Complete. I'm fine, really. I found this. Apparently, Hatcher received a music box from an acquaintance of his, a certain Mr. Farber. It seems as though he was researching the music box when he vanished. And from what Farber says, the music box may be related to everything that has happened. I'm not sure we should stick our nose into this business, after everything that's occurred. We need to find Hatcher. I saw the box that Farber describes in this letter, but it wasn't really there. It was as if it were on the other side of... Oh. I think we should pay a visit to this Farber, and ask him about the music box and Hatcher. He has a shop in the city, not far from here. Daniel, please. I'm fine, really. I think going to a shop and asking the owner a few questions falls within the range of what we can do, don't you? Erika dirige le magasin d'antiquité Farbe et Fils avec son père Isaac. Lui est un expert en art, elle s'occupe des finances, elle contrôle toujours les moindres détails du commerce. Son esprit d'aventure la conduit dans le monde entier à la recherche de nouveaux objets. Pour décorer les vitrines du magasin incroyablement active, Erika est une passionnée qui laisse son imagination s'exprimer dès qu'elle en a l'occasion. Et bien, niveau imagination, elle va être servie. René est né pour être flic et il le sera jusqu'à sa mort. Autant dire que... Né dans les Caraïbes, il a été déçu par le département de police dans sa ville natale en grandissant et donc parti pour l'Europe, où il pensait que son intégrité et son sens du devoir le serviraient mieux. Mais l'herbe n'était pas aussi verte qu'elle le paraissait. Fatigué de voyager, René décida de se poser, de faire ce qu'il pouvait faire pour aider ses nouveaux concitoyens, en un mot. Daniel Noyer. C'est lui le personnage. Qui Queen ? Le personnage du premier. Daniel est un publicitaire et un ex-entrepreneur dont les échecs professionnels l'ont conduit à devenir alcoolique. La boisson lui a coûté sa santé, son mariage avec Sophie et même sa maison. Daniel, qui est sobre depuis un moment maintenant, a enfin réussi à sécuriser un métier stable et à reconstruire sa vie. Tout le monde dit au revoir, René. Bye bye, René. Tu es le maillon faible, René. Adios. C'est ouf, je trouve narrativement il est ouf ce jeu. 1er octobre 98, on y est hein. Je joue en difficulté normale. Ok, très bien. J'espère que ce qui se trouve sous ce pot de fleurs n'est pas la clé du magasin, il serait forcément déconseillé de la laisser là. C'est vraiment nul hein, comme idée. Hein. Le restaurant semble fermé même si les lumières sont allumées à l'intérieur. Peut-être sont-ils ceux qui nous ont signalé des bruits bizarres. Ok. C'est parti. Non, je voulais voir les parapluies. Étrangement calme. Un cintre, qu'est-ce que ça peut bien être? Everything seems to be in order and quiet.
but I'd better check things out in here. Un cintre en fer. De vieux livres de parchemin. Des articles de magasin sur la table. Galerie porte fermée. Pour entrer, demandez au comptoir. Où est Erika? Elle doit avoir des tips. Hors de sécurité. Des parchemins de vieux livres. Okay. En plus, quand il marche, il fait des chling. Des articles exposés en vente. Rien d'extraordinaire. Joli navire, j'aurais aimé traverser l'Atlantique dans l'un de ceux-là. Un télescope, malheureusement, je connais plus de pervers qui l'utilisent pour espionner les voisins plutôt que des fans d'astronomie. C'est le pervers, c'est ça? Un jeu pour les foires. Allez, par une attraction, je n'aime ni la poupée ni la lumière. Rien de ça. Et rien. Ah, ok. Je ne la trouve pas. Je ne me souviens pas où j'ai mis cette putain de boîte à musique. Je croyais que je l'avais laissée avec le reste du lot ou pas. Oui, autrement. Où peut-elle être? Dans ce lot, il y avait aussi une garde-robe avec des taches de sang. On l'a mise dans la cour. On l'a traînée jusqu'à une de nos salles de stockage dans la cave. Mais dans laquelle l'a-t-on mise? Je ne me souviens même pas de sa forme ni de sa couleur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pouvais-je révéler le sang laissé derrière moi? Je vais devoir acheter du luminol, pas vrai? C'est ce que la police utilise. Peut-être de cette façon, je pourrai retrouver le lot de produits qui contient la garde-robe. Et la boîte qui va avec. Sébastien dit que je dois la rendre à ses propriétaires. La famille Grant Amsberg. Si je parviens pas, est-ce que la folie arrêtera? Tous les objets de cette étagère ne sont pas antiques. Très bien. Ça, il faut un petit bouton pour l'activer. Ok. Qu'est-ce que quoi? Comment doit être important? Mais si c'était vraiment important, il l'aurait gardé dans un cadenas. Ouais, une poupée dégueulasse. Vieille armure entière. Oh, il n'y avait pas un truc dans sa bouche là avant? Vraiment impressionnant, intéressant. On dirait qu'il y a un truc dans sa bouche. Mais si. Un jeton coltan en bronze. Quel point cette petite chose pèse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un tiroir fermé avec une serrure de haute sécurité. Bon, il a tout, hein? Attends. Ok. Message est tombé. Voyons quel genre de bêtises il raconte. Une prédiction de la machine. Vous avez oublié quelque chose? Souvenez-vous-en et vous serez béni. Ah yes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Mannequin. De couture, une petite gratte. Guitare qui ne veut pas d'étiquette. Une valise vide. Une ancienne longue vue. Un canon qui fonctionne pas heureusement dans le magasin. Un diable en boîte. Certaines de ces choses sont chères. Ok. Boîte pleine de vases. Ok. Ah. Tout est dans assez bonne. Une armure impressionnante. Ok. Le miroir est brisé, il n'y a aucun signe visible de violence. Ah si, le miroir est brisé.
Un flacon pulvérisateur qui semble avoir contenu des substances dangereuses. Plus que la modération, tu veux dire? Des serviettes pour des clients couverts de poussière. Ok. Très bien. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça se passe vraiment bien pour l'instant. Franchement. Une arme ne doit pas être utilisée comme décoration. C'est vrai que si je peux, je peux peut-être dégonder les portes. En mettant de l'huile sur ce pulvérisateur. Là, une énigme, on n'a pas discerné. Hein. Enfin, parfait, parfait. Ok. Je m'inquiète de n'avoir rencontré personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Odile! Les outils de jardinage. Steve! Mec, donne un coup de lampe, c'est quoi? Sur une vitre. Et zouiplop, tu vois. Ah. Ah, so clumsy. Ah! Tu mérites ce qui va t'arriver. Un bon flic. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bravo, pas bravo, René. Oh. Et laisser à la vue de tous. Patience. Assez habile. On pointe notre truc. Ok, ok. Je suis quand même pas giga rassuré, tu sais quoi? Pas sculpté et c'est pas rassurant. Je suis où là? What was that? Non, non. This, I will never be able to hear a thing. Oh, le chacalot. Là, t'as un indice. Oh! Non, c'était donc ça. Ok. I have no idea what that was. Que ils disent que c'était. Bah moi je sais ce que c'est. C'est la fin des haricots.
acting abnormal. Rien de normal, hein. Non, non, non. À la fin des haricots, techniquement, c'est un truc. Tu vois. Ok. Ça. I got you. Got you. Non! What the? Stop! Les décorations. Étrange. Ces petites décorations finissent toujours par un local. Voilà, il était là, je l'avais ramassé. Ok. C'est ça. Bien vu. Ok. Le fait que rien soit scripté, c'est hyper inquiétant. J'ai compris. What else could it be? J'ai compris. La fille joue des pianos, bien sûr. Ok. Fusion. Aimant. Ugud. Un cintre intéressant, je préfère les outils conventionnels à titre. Mais je suis sûr que ça sera utile. Un ensemble de clés en fer. Ok, on passe partout. Qui sort, il paraît d'ailleurs, avec la mère de la meuf de Passe-Muraille. Il ouvre probablement de nombreuses portes. Okay. La porte est fermée. Okay. Oh, ça se passe plutôt bien. Pas se mentir. Ça se passe bien, j'ai l'impression quand même. Jusqu'à preuve du contraire. Attends, je peux ouvrir. Oh. Ok. Pour l'instant. J'ai bien peur que ce soit trop tard. J'ai écouté la mélodie, Catherine et les enfants aussi, juste une fois. Rien ne va leur arriver, pas vrai? Mon Dieu, cette mélodie, quelque chose est différent dans ma tête. Elle me fait voir des choses que je ne comprends pas, les choses que je préférais ne pas voir. Je suis si désolé. Désolé. Je suis désolé, Isaac. Mais je me sens obligé de renvoyer la boîte à musique. Je vais continuer mes recherches
et je ne veux pas l'avoir proche de moi. Je dois penser à ma famille. S'il vous plaît, prenez soin de vous et pardonnez mon manque de courage. Oh, je te comprends tellement. Toi aussi, t'as changé la difficulté du jeu. Je comprends, bro. Ma lampe! Merci. Plus de bisous, banana stand. Des classeurs remplis de documents, ok. Non! J'ai failli misclick! J'ai failli misclick, attends. Quelque chose de grand cette couverture. J'ai un mauvais pressentiment, mais je dois jeter un œil. Que je dois retirer la couverture et voir ce qu'il y a dessus? Non. Right. Nope. No. Je préfère les rires démoniaques. Je trouve ça vachement plus rassurant. Quelqu'un a jeté quelque chose dans la corbeille. Date, session, heure, argent. Agent! Je confonds. Ça se ressemble tellement. Bordel, Walter! Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai trouvé des traces de boue dans les escaliers de bloc 4. Bloc 4, rappelez-vous. Qui conduisent à la fenêtre du rez-de-chaussée. Arrêtez de rire, là. Je sais que c'était vous. En plus, vous avez détruit la poignée de la fenêtre. Qu'est-ce que vous êtes devenu fou? J'ai informé le technicien du bâtiment pour qu'il règle ça le plus vite possible. Je ne sais pas ce qui va avec cette fille. Ce qui ne va pas avec cette fille. Et je m'en fous. Arrêtez de faire n'importe quoi et comportez-vous comme un adulte. Peut-être qu'elle n'est pas hystérique comme vous le dites, mais qu'elle est fait. Qu'en effet, vous êtes un mec bizarre. C'est la dernière fois que je risque mon cul pour vous. Les compteurs des services publics. Oh, une clé à molette. Les compteurs, ok, clé à molette. Un outil standard, extrêmement polyvalent. Ok. Une boîte remplie d'outils, ok. Des outils jetés pêle-mêle. Certains sont aussi dangereux. Ok. On a une clé à molette, on a une clé là, on vient de là. Très bien. On va aller vérifier la caméra. Oh! Le système fonctionne! Fusion. Là, ici? Non. Petit coup de clé à molette. Ok. Attends. Oh, bah si, carrément! Clé ancienne en cuivre. Ok.
Oui. Ça fait plaisir. Ok, donc là c'est celle-là. Hein. Ok. Ah bah oui, mais cours, cours! Le mec il vanne. Ah ça. Ah ça. Ok. Allez René, tu peux le faire. On est déjà allé dans les toilettes là. On avait un petit pchit. On avait le petit pchit des toilettes. Attends. C'est sûr c'est là. C'est sûr. C'est sûr, c'est la clé d'ici. C'est certes, c'est sûr. Good. Ouais. Bonne intuition d'enquêteur, René. C'est quoi? C'est le plan de drague le plus nul que j'ai vu de ma vie. On avait vu des plans de drague, celui-là. J'ai fait un autre cauchemar la nuit dernière. J'étais allongé dans mon lit et j'ai senti quelque chose me regarder depuis le coin de la chambre à coucher. Les modérateurs ne dormaient plus depuis quelques jours. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas, quelque chose de très réel. Mais je n'osais pas allumer la lumière parce que je ne voulais pas voir ce que c'était, ni qui c'était. Pourtant, ils étaient trois. J'avais peur, peur de devenir fou si je le faisais, si j'acceptais, si je prenais du plaisir. Alors que peut-être dans un élan de panique, de courage ou de folie, j'ai allumé la lumière et je suis venu sur le live. Je me suis réveillé d'un seul coup et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas là. Et pourtant, j'étais dans la salle de bain pour me laver le visage, essayant de dissiper la lourde sensation de puanteur sur ma poitrine. Et néanmoins, je les sentais, ici, partout autour de moi, la modération me regardait, mes pieds, sans mains, sans pieds. Les visages qui me regardaient étaient grotesques, et pourtant ils étaient trois, ils étaient déformés par la changée de couleur. Ils tremblaient de désespoir. C'était le mien, c'était le leur, ils frappaient encore et encore contre le verre, essayant de me prévenir. Time out, ban. Ouh, c'était comme s'ils hurlaient, mais je ne pouvais rien entendre, et ils étaient là, toujours à mes pieds. La scène était si horrible que je... Eh bien, je me suis réveillé encore une fois et... C'était rien, j'étais à l'intérieur de la salle de bain, allongé nu, sur le sol, à suivre le live de Maillard. Le miroir était brisé. Chelou, hein. Quelqu'un qui est en train de se déchirer les vêtements à l'intérieur, là, juste derrière, dans le couloir. André. Ça pue total le piège. Ça pue le piège. Ça pue le piège. Ça pue plus que la couette. On va bientôt finir sa paire de stages. Oulala. Là, il n'y a pas une porte. Ah si, mais il y a une porte là que j'ai pas prise. Okay. Cher Isaac, je suis navré d'apprendre vos problèmes d'insomnie. Si ça peut vous consoler, j'ai moi-même souffert du... même mal récemment, peut-être à cause de la relecture permanente de mon roman.
Si les qualités pouvaient être mesurées en temps investi, ça devrait être une des meilleures œuvres. Mais je doute que ce soit toujours le cas. Malgré tout, j'ai trouvé un peu de temps pour examiner votre mystérieuse boîte à musique. D'après la sculpture et le bois, je suis certain qu'elle provient d'Europe. Elle doit dater de la fin des années 90 au début du 20e siècle. J'ai aussi remarqué son incroyable qualité. C'est peut-être un objet de luxe à cette époque. Je vais continuer mes recherches. Bon rétablissement. Sébastien Huchet. Ok. Une pile contenant des documents. Ok. Je suis totalement d'accord. Il, non seulement il est captivant, mais il est cher le chanteur. Et ouf, il est complètement ouf. Cache-toi, cache-toi. Cache-toi sous la table. EF50. Je pense qu'il faut suivre le tentacule de l'enfer. Bon, je vais voir quand même par les caméras. Dans mes souvenirs, on n'avait pas ouvert ça. Non, non, il fallait le petit bouton. Le drap ou faut monter. Ouais, je suis d'accord. Ok, bon, bah... Des os, hein. Tais-toi, fais pas de vanne, tais-toi, fais pas de vanne, tais-toi, juste tais-toi. Blood of Jesus, that was horrific. Oui, merci. 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 Là, c'est ce qu'on voulait faire, on voulait monter. On voulait suivre le tentacule en se disant, ouais, ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire. Et là, c'est... Il est parti. Non, non. Il est plus. Oh, il est plus. Avertissement, des avis, des plaintes, va être actualisé. Okay. Parce que... Comme le cheval à trio, on sait comment est fini le cheval à trio. Comme ça. J'ai gardé une copie de la clé de la maison dans la vitrine de la salle d'exposition dans le puzzle chinois. Je l'aurais bien laissé dans le magasin pour toi, mais je ne fais pas confiance au concierge. Tu fais confiance au concierge. Je l'ai écrit. Je t'ai écrit un rappel de la combinaison au dos de cette note, mais de façon crypta. Juste au cas où elle tombe dans les mains indiscrètes. Erika, future victime. 8, 5, 14... De 11.
sûrement un viewer, bien sûr, c'est sûr. C'est sûr. On était à droite, hein. On était à droite. C'est le flingue. C'est ce qu'il a fait dans la session précédente. Ouais. C'est totalement ce qu'il a fait. Mm-mm. Et pas qu'une fois. Oh! Concentre-toi, Maya. Ne respire plus. Pense à ta ventoline. Ne respire plus. La peur tue l'esprit. Blood of Jesus, that was horrific. Je suis assez d'accord. GG l'apnée. Pas dans les toilettes. Ok. Je déteste ma vie. Oh, attends, il n'y a pas une porte là? Si, si, il y a une porte. Y a... D'abord l'oreille. Ok. Ok. Voici la clé d'interrupteur que tu trouveras sur le comptoir du magasin. Ça y est! Le plombier de l'assurance est arrivé à réparer le tuyau qui fuyait. J'ai signé le formulaire de l'assurance. 10h22. Le colis a été livré au bloc 2, apparemment, appartement 3B. Rappelez-vous, un colis a été livré au bloc 2, appartement 3B. Il n'y avait personne, il est conservé temporairement dans le bureau du concierge. Midi 6. On interroge monsieur Isaac Farber concernant l'incident qui a eu lieu pendant la nuit. Il a l'air confus, on ne sait pas de quoi je parle. Il est bouleversé, pose beaucoup de questions. Je lui ai proposé d'appeler un docteur, mais il m'assure qu'il va bien. Un vendeur de porte-à-porte. Ben voilà, il est là. Comment voyez-vous la fin du monde? Ben comme tout ce qui se passait ici. Le seul moniteur n'affiche plus rien. Ok. Là, il n'y a rien de ça. Des notes préparées, ok. Good. Yes. Yes. Oh, heureusement qu'il fallait pas écouter l'autre côté. Et là. C'est là! Ok, une poignée de manivelle. Ok. On l'a. C'est exactement ça. Ça a l'air d'être servir au boîtier.
Oh non, un soutien-gorge. C'est le mien. Oh, j'aurais dû le laisser au vestiaire. Je savais que ce soutien-gorge avait été volé. Juste un petit vol, mais qui aurait pu se produire après une entrée d'effraction. Il n'est pas très courant que le surveillant du bâtiment laisse traîner ses soutiens-gorge partout. Quelque chose. Ah, pour nettoyer ? Une bouteille pleine de liquide antiseptique. Du peroxyde d'hydrogène. Attendez. Est-ce que je peux le combiner avec le pchipchit ? Ok, vas-y. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi il voulait pas. Okay. Bon, regardez les UV. Crime. J'ai regardé 5 minutes une fois, hein, j'ai presque fait un trou dans la télé. Okay. C'est vrai, il faut être vraiment un expert pour... Le seum! Il n'y a pas d'événement équivalent. Et ça, c'est oufissime. Alors, voilà. Pas de créature en nuit. Arme à feu, j'espère qu'il s'agit d'une décoration. Ça serait dommage que j'ai une deuxième arme à feu que dont je ne m'utiliserai pas parce que je préfère pas. Vitrine étant renforcée, j'imagine que son contenu est assez coûteux, contrairement à ma dignité, qui est pas chère. Car le verre renforcé, je vois des pièces d'or en argent. Je suppose qu'elles sont anciennes. Vitrine pleine de masques et autres antiquités, à part cela, je n'éprouve aucun intérêt. La porte de vitrine en verre et cadenas à combinaison, je me demande s'il y a quelque chose d'utile dedans. Ok. Voilà, alors très bien. 8, 5, 14, 2, 11. Je ne sais pas écrire en chiffre romain. 8, 5, 14, donc 14 ça doit être A, B, C, D. 8, 5, 14. F. Ah, attends. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 11. 5. 11. 14. 2. 11. C'est ça. 9, 10, 11. Et 0, parce que ça ne s'écrit pas en chiffre romain. Right. Un cylindre en bois creux est divisé en plusieurs compartiments en forme d'anneau. Je pense que ces anneaux devraient tourner. Mais ils semblent coincés. Ah, attendez. Est-ce que... Il faudrait pas un truc genre... Est-ce qu'on tomberait pas genre un... Attendez, vous avez vu le tableau là? Pourquoi le jeu me déteste? Ok, au moins ça...
C'est clair. Rien. Ok. Là, c'est clair aussi. Pas comme Daniel. Ok. Des avis pour les résidents locaux. Ok. Il n'y a rien là. B2, 3. Ok. Non. Il y a un cadenas. Non, ouais. Ok. Non. On a dit quoi? B2. Non, on est pas... C'est pas sûr que ce soit bâtiment 2, mais... 3B. Non. Je pense qu'on trouve rien. En revanche, il y a une clé, parce que quand on utilise les objets, quand ils sont dépensés pour de bon, pour ce pour quoi ils servaient, ils disparaissent. Donc ça veut dire quand même qu'il y a encore une clé. Faber. Farber. Non. Farber, Barber, Farber. Farber. On va regarder les... On va regarder les boîtes à lettres. Pour voir où est-ce qu'il habite. Et utiliser en conséquence. Ah oh non. It's coming everywhere. Et où ça, où ça? Pas me cacher d'un. I must go somewhere else right now. Allez, vas-y, vas-y, ouvre. I can hide here. Police training didn't prepare me for this. J'y ai pas cru, hein. J'ai pas cru que j'allais m'en sortir. J'ai vraiment pas cru que j'allais pouvoir m'en sortir. À aucun moment j'ai cru. Aucun. Ah voilà. B4, 3C. Erika Farber. Fischer, Castaner. Ok, c'est bon. Très bien, très bien. C'est pas les apparts au-dessus du cabanon? Je pense que tu dois avoir raison. Hein. B4, 3C. T'as marqué comment je longe le... Ok. Comment je fais pour... Regardez, là il y a... Il y a quoi là-haut? Là c'est ouvert.
C'est le 4, regardez. Là, il y a le chiffre 4 là-dessus. Donc, c'est la clé 3C. Ça, c'est sûr. C'est pas cette clé-là, mais il faut la clé qui ouvre ici. Donc, je pense, hein, à vue de nez, je pense qu'on aura la clé pour accéder à l'appart. Et que peut-être qu'on peut passer par-dessus ici pour rentrer dans le cabanon. Pas d'Isaac, hein. Elle fout le drap, regarde. Ok. On n'a pas accès à ça. Je sais pas du tout. Tant que tu me parles pas de ce foutu drap. Je veux dire, ok. What? Mm-mm. What the hell? Je suis là. Si je veux aller au placard le plus proche. Toilette. Ok, et là en face. Okay. J'ai la clé là. J'ai la clé là. Jamais aller aussi loin. Something isn't right here. I'd better check the area. Sans déconner. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, on dirait ici. Hein. Des clés, des lunettes, un planificateur. Tout semble indiquer que Farbé est toujours dans la maison. Il aura brisé, il n'y a aucun signe d'une éventuelle dispute. Bon, là, les portes à double battant, comme ça, c'est nope. Give us a sign. Quel âge avez-vous? Quel est... Quel est votre âge? Vas-y, d'être prudent, c'est-à-dire je me casse en fait. Prudent, ça veut dire ciao bello, tu vois. Lampe UV plus luminescence, exactement. J'ai pensé exactement la même chose, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est quoi cet enfer? Mon dieu, il y a... un tableau avec un poulet. Apparemment, l'esprit qui hante les lieux semble être un éleveur agricole de la Creuse. Oh,
pièce circulaire, une pièce circulaire en bois. Oh, 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 attendez, attendez, attendez. Ce que j'avais compris tout à l'heure. À moins qu'on ouvre ça, hein, mais... Oh no, 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 shit.